Pour là, Maître Denis Michel dit, guerrier du seul, il dit que 7 février 2024, là, c'est pour aller en simple date, c'est pour aller en date, même j'ai toute date, c'est pour aller en jour, même j'ai tout jour. Nous songez, par contre, si c'est vendredi ou bien jeudi, semaine dernière, moi t'ai venu là, moi t'ai expliqué ça. Moi t'ai dit, moi ouais, il y a des alliés, il y a des proches pouvoirs, ça que moi t'ai tombé sur l'instrument ça, non? Qui a tendance à minimiser. Ok? Date 7 février 2024. On t'ai posé question, pour me dire, est-ce que c'est pas une stratégie du pouvoir? Et même t'es allé plus loin pour me dire, est-ce que c'est pas pour faire honte servicole? Et me expliquer dans l'analyse moi pour qui ça me dit ça. Et si nous bien comprendre bien monde qui t'a tendu mieux, me dit en conclusion ou bien entre les lignes, pas occuper pouvoir qu'a dû minimiser date cette là. Yo paniqué au point que je dis a, il y a des proches pouvoir, il y a des alliés du pouvoir qui pas dans pays a. Pas de guiller ça déjà nous m'a besoin flamme en privé. Yo paniqué au point que il y a des dispositions qui prend pour renforcer la sécurité du docteur Ariel Henry. Yo paniqué au point que il y a des dispositions qu'a prend pour renforcer sécurité en série de officiels dans le gouvernement, des ministres notamment. Yo paniqué au point que il y a des officiels dans le gouvernement qui étaient dormi en série de côté qui pas dormi là encore. Nous n'avons pas qu'à dire son date, même j'ai tout date. Ils ont paniqué au point que il y a des dispositions qu'a prend au niveau de la police nationale d'Haïti pour renforcer présence dans la rue. Ça n'a qu'à dire que la police est en mode alerte, par exemple. Mais de Michel dit le pays. Là? Oui. Ok. Non, bien dit, on est. Il est dans le pays, il est Port-au-Prince. Port-au-Prince, okay? Pas de problème. Il dit qu'il va concourir dans la bataille politique. Il a assumé position. D'accord. Mm-hmm. Bon, bien content. Je dis ça, nous ne pas connaître. Bien content. Mm-hmm. Donc, le fait que moi te dis comme ça, très bien, moi te dis comme ça que il y a des dispositions qu'a prend au niveau du pouvoir à la veille de date 7 février, ça te laisse entendre tout quelque part, bon préoccupation. Des mêmes font blague, me dit pouvoir pour ça. Marron qui ça plie. Marron ce problème. Maintenant, pour moi, retourner purement et simplement sous position de Maître André Michel sous date 7 février 2024. Maître l'a dit son simple date. Moi, je connais pertinemment Maître André Michel. Je ne connais pas prendre date 7 février comme cette date dans le pays. Avocat de son état, etc. Homme politique, vous comprenez, d'une très grande culture, si vous voulez. Il n'y a pas qu'à prendre date 7 février comme cette date. Moi, je vous dis ça. D'abord, il y a deux gens qui ont date 7 février. Ou ka gade l au regard de l'histoire, dimension historique date là, mais ou capable gade le tout par rapport avec conjoncture politique là. On gade question historique la guerre de seul. Depuis plus que 30 ans en d'un pays a 7 février a une date souvelé pour le moins emblématique. Pour n'importe qui haïtien qui connaît l'histoire. Parce que nous songeons, c'est ton 7 février, t'as pour 7 février, bien pour pointer là, tu as gagné en rupture dans le mode de gouvernance pays après, bien sûr, près de 29 ans de dictature. C'est ton 7 février, mon te prend la rue, mon te content, l'aide du Valier te quitté définitivement pouvoir, pour dire bon, finalement, pays après un nouveau souffle, etc. C'était grâce à un 7 février, guerrier de seul, que moi-même avoir une possibilité pour nous parler comme ça. Par contre, je comprends. C'est vrai, un ensemble de Goumen qui était venu avant même date 7 février, ça, par exemple, des Goumen qui dans le monde de Koulidian, Pierre-Paul, de Koukoupé, Philo, pour nous citer ça au seulement, t'es mené pour te battre nous liberté. Nous prenons voulait ça seulement. Liberté, la parole, liberté d'expression, etc. C'est vrai, le 7 février qui te permet, au songer, maintenant, André Michel, de faire un ensemble de déclarations. Vous comprenez? Je me disais sans dire ce Jovenel Moïse. Oui. L'Eldab dit n'importe le monde qui joue un président qui a voulu calotte dans le pays. Vous comprenez? C'est mettre la guise. C'est mettre la guise, etc. L'Eldab dit qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Par contre, vous comprenez? Donc, c'est au 7 février quand même qui est une bonne possibilité. Par contre, vous comprenez? Donc, dans la dimension historique, là, il est loin pour le temps. On s'aime.
avait dit même si tu as un président dans le pays, même si toute institution t'a fonctionné en dans pays, même si attendez bien, toute mise en place était faite pour faire que pays a effectivement t'a fonctionné dans son pays qui a fait exercice démocratie ou bien comme disons pays qui voulait démocratie à gagner, 7 février 45 ans. Voir que je ne dis à nous notre contexte qui est particulier. Marrant, je vois. 7 février pour l'haïtien, loin pour le 11 d'adieu. Parce qu'il y a plein un paquet de bagailles. Je ne vais pas vous arrêter sur ça, toi, puis ce n'est pas ça qui intéresse le matin. On prend 7 février au regard de ça, là, comme réalité politique. Le 7 février 2024, au regard de l'article ça, eh bien, Ariel Henry avec l'équipe qui l'a, a obligé de retirer Koyo, purement et simplement fait place à une autre équipe qui soutient dans l'élection, des élections qui étaient organisées à la fin de l'année 2023, qui pouvait faire place à un gouvernement légitime. Maintenant, si pour une raison, ou bien pour un autre, docteur Ariel Henry avec l'équipe qui l'a, qui a une responsabilité pour faire élection parfaite, donc nous d'accord aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire si le docteur Ariel Henry qui va profiter de propre erreur, de faillir à mission, de échec. Voilà pourquoi il y a des gens qui croient que, au regard de ça, il y a comme réalité politique. Donc, 7 février 2024, pas qu'à passer inaperçu, pas qu'à passer dans la date à la poste, pas qu'à passer comme on date 5, comme on joue 5. Donc, si vraiment nous sommes des gens qui respectent de la loi, ou bien des principes, ce n'est pas la loi, puisque ce n'est pas un document qui est comporté juridique, je ne vais pas rentrer là. Normalement, elle est publiée dans le journal officiel. Mais on dit plutôt des gens qui ont accepté de prendre des responsabilités. Docteur Ariel Henry signé. Nous croyons le SDP, je ne sais pas si c'est André Michel qui a signé pour eux, mais le SDP, même si on ne fait pas notre parti, je suis d'accord à poser signature au bas d'un document pareil qui te dit qu'on prend des engagements. Mais si on prend des engagements, mesdames, messieurs, rendez-moi fou sage. Quel que soit sorte qui a avancé comme raison qui fait pas respecter, d'autant que c'est où tu as une responsabilité souvelée pour faire respecter, ben je vous dis, on ne peut pas abjouer de propre erreur, on ne peut pas bénéficier de propre erreur, on ne peut pas bénéficier de propre échec. Donc voilà pourquoi je dis, en pile monde croit que date 7 février 2024, là, l'idée est décisive. C'est ça qui fait. Entendre mettre André Michel Guizi, son date qui est simple, son date, même j'ai toute date, mon cher Mbappé Bomanti, je suis tombé d'année. Par contre, je vous reprends bien, en avance. Mon côté, mettre la parler de Piganatan, que le monde va retirer Koyo, et ce pouvoir, ou l'autre groupe, il prend pouvoir, mettre la parler écarter possibilité, qu'il y a quelques roches qui voyaient, vous comprenez, puisque selon ça, il dit, gagner une alliance entre des politiciens et cap je jouais William Debord, des machins de drogue, des politiciens qui voulaient prendre pouvoir dans n'importe quelle condition, vous comprenez, qui marient sur ces choses avec gang. Écoutez, mes chers amis, moi doute fort qu'en 2019, Mélanie Michel t'a parlé. Moi doute fort, peut-être que vous allez dire, mais c'est pas même. Et réalité, on va voir une politique la dynamique, qui évolue, etc. L'opposition qui a évolué. Même nous, c'est très fort, il y a eu ça. Se mettre André Michel, que nous tous connaissons, en 2018, en 2019, jusqu'à janvier 2021, t'as bon discours pareil. Par contre, c'est vrai. Parce que je me songeais, mais André Michel, janvier 2021, ça n'a pas allé là, à l'approche, s'ouvrait de date 7 février 2021, de même dit tout sa peuple là qu'a pris comme initiative pour faire respecter la constitution. Pas de danger la donne. Il y a bienvenu. Et maintenant, tu es même pesé sur ça pour dire, soit avocat qui a parlé. Et si par exemple, la population, je dis à la, tu as dit comme ça que tout ça qu'a fait que même pour faire Ariel Henry respecter Moll, engagement de prendre encore 21 décembre. Docteur Ariel Henry, c'est Jovenel Moïse qui était normal. Nous d'accord sur ça, guerrier de ça. C'est vrai, tu as un débat sous la fin du mandat de Jovenel Moïse. Opposition politique là, dans l'époque là, tu crois que le mandat de Jovenel Moïse est fini le 7 février 2021. Mais il y a des gens, ensemble avec les gens qui sont dans l'équipe Jovenel,
qui te quoi dur comme fer que le mandat Jovenel Moïse t'a fini 7 février 2022. On prend pour vrai que le mandat Jovenel Moïse finit le 7 février 2022. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire entre le Jovenel Moïse nommé Dr. Ariel Henry, si je ne me trompe pas, le 5 juillet 2021, pour arriver 7 février 2022, il y a des gens qui croient que Dr. Ariel Henry était juif d'une certaine légitimité. Donc, avec 7 février 2022, que tout le monde est d'accord, pas de débat sur lui, que le mandat Jovenel Moïse finit définitivement, que s'il était là, c'est dans le moment où il a obligé de faire le pouvoir. Donc, Ariel Henry tout perdu. Bien dit, selon Mounzaïo, légitimité ça. Qui vient de faire que, pendant toute année 2022, il y a des efforts qui t'ont fait, ok, il y a des initiatives qui t'ont pris pour te permettre que vous entendez, pour te permettre que vous accord qui signé, pour te bailler ou bien pour te bailler, oui, bail, si vous voulez, Ariel Henry, légitimité ça n'a pas parlé là. C'est ça qui fait à la fin de l'année 2022. Guerrier tout seul, il y a un ensemble de partis politiques, un ensemble d'organisations dans la société civile là, un ensemble de structures, de regroupements qui d'accord signent un document qui est l'accord du 21 décembre pour un consensus pour une transition des élections inclusives. On va aller comme ça. On va vraiment changer l'appellation. Donc, avec accord ça, légitimité. Mounio te estime que Ariel te perdu avec la fin du mandat de l'ancien président Jovenel Moïse qui te doué peut-être fin le 7 février 2022. Moun qui peut-être jodi à la qui en face la capable camper pour ça tout. Yon capable mando, et si jodi à tout yon di ou. Après yon fin constate échec équipe ça. Après yon fin constate échec accord 21 décembre là. Et puis yon di pas gen problème. Toute initiative populaire qui visait, souvle, a fait Dr. Ariel Henry respecter saleté dit, saleté pris comme engagement, saleté signé, pas de problème avec yo. Pas quoi, si mon monde a blâmé la population, c'est avec M. André Michel. Parce que moi, imaginez que si M. André Michel était en face, je dis, discours madame toi différent, en témoigne, ou ensemble de déclarations, elle était fait à la veille de date 7 février 2021, guerrier de ça. Très clair. Par contre, vous comprenez. Oui, c'est vrai, mettre là assumé, mais moun kap suivre mettre là tout, capable de poser question ça pour dire. Donc, je dis, est-ce que c'est pas parce que mettre là en face là, ou bien c'est pas parce que mettre là au niveau du pouvoir, ou bien du côté du pouvoir, qui fait l'idée ça comme compréhension, ou bien comme position par rapport avec ça, mais là comme réalité. Toujours est-il, ces questions à poser. Et si jamais on y a là, on y a d'abord comme une sorte de provocation. Parce que, moi, monsieur Gou, Mère de Michel, je dis, à parler de l'alliance gang, etc., mais tu as un moment. Mais tu as incité les gens à camper des barricades, les guerriers. Mais ni moi, ni vous connaissez comment les gens qui étaient campés barricades, ils étaient. Tu as demandé que les barricades, c'est l'avenir. Ni moi, ni vous connaissez nos paquets de côté de pays, comment ça t'est. Par contre, vous comprenez. Et je dis à la guédine qui était campé des barricades, qui vient toi pour la République. Ma contre, c'est peut-être une conséquence qui est lourde pour le pays. Bon, et si jamais vous retournez, vous comprenez, dans l'époque, ça n'entend ça. Et puis, vous avez fait la même conclusion, vous dites, ou tu fais alliance, toi, à un certain moment, avec des chimères, avec des bandits. Ma contre, vous comprenez. Songez, les dégâts, manifestations un peu partout, je te dis, pour voir tes payés, bandits infiltrés, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas qui t'a dit bon, opposition mette à bandit, vous jetez journal. Et ça, on est mal. Je ne peux pas dire si c'est vrai, je ne peux pas dire si c'est pas vrai. Mais si je dis à, ou qu'on parle comme ça, qu'on a mis en doute, une série de défense, nous avons fait, les pouvoirs qu'on accusé, nous, comme monde qui nous avons peut-être avec gang pour déstabiliser, qui c'est vrai, qui c'est pas vrai. Oui. Mais si nous avons une démarche comparative, je dois me poser certaines questions. Par contre, je comprends. Maintenant, parler du dialogue, il dit, même au niveau du SDP, je dis à la, si il y a deux bas, il y a là-dedans, il toujours soutenu ou bien toujours attaché avec eux, c'est le dialogue. Même là encore, Guillaume dit comment dire maintenant de Michel, est-ce que c'est sérieux pour qui ça? Parce que nous sommes sur Jovenel Moïse, particulièrement derrière du seul. Il y a plusieurs tentatives d'appel au dialogue qui étaient faites. Il y a plusieurs initiatives qui étaient tentées prendre. Pour faire dialogue là derrière. Moi ça il est pas trop existé. Moi même mettre André Michel avec l'équipe qui était clair sur ça, il dit pas dans dialogue avec Jovenel.
pour eux-mêmes, Jovenel, c'est un cadavre politique. Pour eux-mêmes, Jovenel Moïse, c'est du passé. Pour eux-mêmes, Jovenel dit, Jovenel d'abord. Même si il y a qui te croient que c'est pas plus bon position. Parce que le fait que c'est lui qui est au pouvoir, ou pas capable de chercher solution, ou pas capable de chercher ta velle, même l'œil pas forcément sorti gagnant dans le cadre de négociation. Mais c'est même gens. C'est même gens. Et souvent, je viens de monde qui croit que je dis après 2 ans, je venais lui, qui te gagne au mandat, même si tu as un problème, qui te gagne un problème avec contenu. Vous comprenez? Oui, oui. Mandat gagné. Diri, yo pa joine ni. Yo pa ka ton galon l'huile, yo pa ka joine ni. Parce que, provision sa yo, yo pa ka descendre, yo pa ka basse Mariani. Alors, gouvernement joine la police pour voyer à couper population, la parole, manifester contre insécurité, et puis, ni pa capable voyer policier yo, à couper gang yo, pour population capable galon souffle. C'est ça. Nous-mêmes, dans le reste, nous disons c'est assez. Et bagaille ça, nous ne sommes pas capables de continuer dans le pays. Alors, nous avons un peu de considération, ou bien nous faisons un peu de considération qui fait, je dis, dans le même niveau red, nous croyons qu'Ariel Henry lui-même lui démissionné et il y a plein de monde qui signe dans la question red là. Red là, il voulait dire c'est plateforme politique résistance démocratique. Nous même parler de justice pour Jovenel Moïse et il aura soutenu nous dit au soutien là, n'a soutenu toute l'action populaire qui visait déraciner Ariel dans le pouvoir, exiger justice. Excusez-moi pour le président Jovenel Moïse, exiger justice et réparation pour toutes victimes en bas violence, yo, tant que femmes actifies, yo violé, moun yo kidnappé en d'un pays, remettre Haïti, grand monde en tête li, réconcilier nation, hein, c'est 7 points ça, mais nous avons fait avant ça, nous avons fait ensemble des considérations, et ces considérations que tu as parlé maintenant, 7 points ça, mais il y a plus de monde qui croit, pas de alternative, jodia, pour remplacer Ariel Henry. Bon, et alternative là, c'est l'ensemble des forces vives payant, c'est ça nous dit, c'est réconcilier nation hein, avec lui-même, l'ensemble des forces vives du pays, ok, c'est capoter Ariel, mettre campé un gouvernement provisoire qui pas doué par bien plus que 9 à 12 mois. Créer conditions sécuritaires et ensuite commencer à mettre campé institutions étatiques, mettre campé l'Assemblée constituante, venir avec une nouvelle constitution et puis décréter élection dans le pays hein, de façon à ce que pour institutions nous yo capable fonctionnel. Je le dis à nous non pays côté que où il y a 3 pouvoirs de l'État pas gain yon qui existait. Le pouvoir législatif n'est pas existé, le pouvoir judiciaire n'est pas existé, le pouvoir exécutif n'est pas existé encore. Mais c'est première fois oui moi se dit tout à l'heure nous vivons aussi bas comme ça. Je veux dire, nous pas qu'arrêter bras croisés, que population continue à mobiliser, moun ti voit yo wè sa nou bay, continue à intensifier mobilisation, rele moun grand voit yo, mande moun kafou di fort, le organ, nous contre ensemble, mette tête nous descend pour Miragouane, rive dans le sud, rentre Jérémy. Moun noyo, nous sortis pour la Tibonite, rentrer au Cap, virer Nord-Est, moun pas de payo. Mobilisation générale, soulèvement général, ça lui doit intensifier, parce que un paquet criminel, un paquet assassin, cap touye en population, c'est trop, attends que peuple, la population, pas capable encore. Yo pas capable encore. Journée jodia, on moun wa paye un petit galon gasoline 1500 goud. Et alors, ou gon l'État qui te fait complot
avec oligarchie. Yo monté prix gaz là sous population. Hein. Ils sont qui des 250 gouttes à 570 gouttes ou 600. Mais je ne le dis pas. Ou besoin ou pas venir parce que chef yo bloqué Mariani, pas de personne moun qui capable de descendre dans le grand sud là avec gaz. Et pas de personne moun dans le pouvoir, non? Ça va au problème. Seulement, ou tande y'a cléoné dans toute radio, sous toute tribune, soit l'ONU, etc., l'OEA, je pourrais demander papa blanc, dégagez pour moi, nous venons à Haïti, venons assurer sécurité nous. Y'a pas de venir assurer sécurité peuple là, non? Venons assurer sécurité yo, pour qu'à continuer voler, pour qu'à continuer piller trésor public là. C'est ça. Il a cherché là, je ne veux dire. La population a dit c'est trop à top. Il n'a pas accepté ça. Et pas que personne ne peut pas accepter avec lui, je ne veux dire. Mais avant de finir, qui d'être là, nous gagnons devant nous pour nous envoyer Ariel Henry aller, puisque je dis à premier, et nous avons couru sur une date bitrois, qui c'est 7 février, c'est eux-mêmes qui ont pris engagement, notamment Ariel Henry, qui a publié dans le journal officiel pays, qui ça moyen eux-mêmes pour nous faire échec avant même 7 février, ou bien pendant ou bien après 7 février. Bon, quoi pour nous autres, question 7 février, n'est pas même posé en ce qui a trait avec Dr. Ariel et sa clique, parce que il n'a pas été aux élections. Ariel Henry n'a pas gagné un mandat. Après 30 mois, où mettons pays dans une situation liée, je ne veux dire, c'est souvent des bilans gouvernement ça, c'est kidnapping, c'est assassinat, c'est persécution politique, c'est corruption, c'est la misère. Mais écoutez, là, pas quoi, même si Wap fait sale besogne et un groupe moun dans la communauté internationale, ok? Parce que moun qui te mette lyon, n'a plan son appel bay ou tout. Que yo dégage yo, yo vin pran poli yo, yo te mette la, parce que c'est yo te mette l. Ok, c'est yo te mette l. Nous les jodis à population, on l'a dit, n'est pas capable avec lui encore. Et ma continuellement de population de sud pour nous arriver de Wanamet, eh bien, dégagez-nous, mobilisez-nous matin, midi, soir, sans prendre souffle, et pas oublier, le 5, 6, 7, c'est mobilisation générale dans tout le pays. Merci un peu, Jonas Kofi, c'est obligé de vous déballer. Merci, Ismaël. Voilà, on a parlé avec Jonas Kofi, et c'est dirigeant haïtien pour Haïti, et c'est un monde qui s'y est. Position Red, résistance, plateforme politique, si moins bien maîtrisé, et si moins bien maîtrisé, c'est position haïtien, alors c'est position, et Jonas Kofi, non, Red, lui expliquer Red là, c'est, lui voulait dire, Red Lab l'a dit, ça l'a dit, hein, c'est et plateforme, c'est plateforme politique résistance démocratique. C'est Red qui m'a dit démission Ariel Henry après un pile constat que yo même yo fait, yo quoi et yo quoi faut qu'Ariel Henry lui-même lui démissionner et c'est constat. En pile, haïtien, yo même yo fait. Qui ça, et qui pourra le faire en d'un pays, avant même nous propose là, nous allons faire 5 minutes avec, et là, peut-être Jonas Kofi toujours en lien avec nous,
et Baronet, il est toujours en ligne avec nous parce que nous là nous fin parler, c'était un appel manqué qui peut-être les recevoir de nous-mêmes. Nous allons faire 5 minutes avec Maître Exilom, Ernest Exilom, qui c'est avocat, Ronald Richemont, commissaire et gouvernement au CAI, lui-même qui, puisque Guilherme Cédel va parler là plusieurs fois, dans Boucanté et la parole, et qui a dénoncé, qui a demandé révocation et Ronald Richemont, puisque estimé Ronald Richemont t'a libéré un citoyen de manière illégale. On a parlé de Tirogène dans le cadre d'assassinat de Gary Tess, et qui était animé en émission dans la radio dans la ville Okaï dans la période mouvement 2022 qui a été en plus de monde dans le sud pays. On a demandé libération, alors démission Ariel Henry. Et Gary Tess, il y a une émission non radio au CAI, et bien qui t'a joué dans Moli. Nous avons avec nous, et soulignant, Maître Ernest Exilom, avocat Ronald Richemont. Nabdil, bonsoir. Comment nous y est? Israël, Valentin, Nabdil, toutes, auditrices et auditeurs, émission. Vous cantez la parole, c'est un plaisir pour nous faire un petit pas de bouche, et dans quatre dossiers, et Gary Tess, Israël. Alors, nous allons faire 5 minutes ensemble, Maître Exilom. Mais avant de vous parler, je vais poser trop de questions. C'est juste une réaction liée par rapport à ensemble de déclarations Guy Delva, lui-même, lui fait ici, à Naboukanté la parole. Mais bon, justement, de ça, dans qui va où en Haïti? Très bien. Alors, nous sommes au demi-balais. Ok. Alors, très rapidement, étant donné que nous parlons de. Mais en fait, on dit Barou Mibale. Allô? On est en Barou Mibale. Oui, Barou Mibale. Mais où c'est nèg dans sud ou bien dans qui région sont dans pays là? Un plateau central, Mirbalè, c'est une ville dans plateau central. Et mon connaît il est de principe que l'avocat peut être constitué dans n'importe juridiction de la République, il suffit qu'on fait partie de on barreau en ordre des avocats. Donc vous même c'est avocat barreau Mirbalè. Ou a milité dans barreau Mirbalè depuis combien d'années? Depuis 7 ans. 7 ans. Qui sa réaction lui-même lié sous ensemble de déclarations Guy Delva, responsable SOS, journaliste, qui fait plusieurs fois dans Boucanté la parole. Très bien. Alors, Israël, c'est malheureux que nous pas gain temps, nous n'avons pas souci méthodologique, nous allons aller très rapidement, mais il est important pour nous retracer les faits, parce que vous connaissez qui sont Gary Tess, là même, j'ai un paquet de journalistes, par exemple, pour Néhémie, on a été très connu, la Kaïma Moui. Donc nous-mêmes, parce que nous seulement connaissons comme avocats, mais nous-mêmes sommes dans son travail, là, nous sommes présentateurs d'émissions et nous sommes directeurs de médias dans Magorizon et Radio Magorizon dans le plateau central pendant un paquet de temps. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une sensibilité et particulière pour les journalistes. Mais pour la question de Gary Tess, là, j'ai avocat, commissaire, c'est un bagage qui dérange, non? Qui s'allie. Notre confrère, qui s'est dit, c'est Delvin, on ne connaît pas. Je ne parle pas d'avancer de bagailles qui peut-être que je n'ai pas d'hésitance sur eux. Mais lorsque pèlerinage qu'il y a, lorsque souvenez toute campagne médiatique, matraquage qu'il fait systématiquement sur le ça, il n'y a pas de bagaille intéressant. Parce que il n'y a pas de bagaille aux gens où il y a. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous réagir, parce que on commissaire du gouvernement, il a lui-même qui est responsable pour ce pénal, il a toujours fait en faute administrative, il a toujours fait erreur, mais il faut qu'on dise la vérité. Parce qu'environ 2 ans, je suis dit là, Israël, nous avons perdu malheureusement le fameux journaliste Tess Gary. Maintenant, le commissaire du gouvernement lui-même, qui s'allie pour le faire, non, qui sont comme ça. Non, qui sont comme ça, c'est déclencher ça, la poursuite pénale. C'est tout, c'est responsabilité ça. Et ceci a été fait. Maintenant, Nelly fait réquisition des officiers de police judiciaire pour les enquêtes, ou après ni juge de paix, ni SDPJ Sud, eh bien, ils ont mené toute enquête. Yo. Parce que moi, j'ai le dossier complet en main. C'est-à-dire que nous avons dit, attention, on va parler, il faut parler avec les faits, il faut parler avec les preuves, parce que le droit
c'est les preuves. Et c'est ça qu'on va couler là, nous attaquer en diffamation. La petite arrivée sur ça. Mais maintenant, lorsque journaliste a lui porté disparu, attention, dans 4 et 6 ans, il n'y avait pas de flagrance. Maintenant, le dossier a été déféré au niveau du cabinet d'instruction. Et c'est le juge Jourdain qui en charge d'enquête et destruction la dossier. Plusieurs m'ont arrêté. OK? Notamment, Guerlain, Timogène t'a arrêté, etc. Maintenant, dossier a une fois que je viens au niveau de cabinet d'instruction, il y a monde qui profitait, malheureusement, attaquer pour lui faire. Mais ça qui va nous comprendre sur être là, Israël va permettre nous de ça. C'est même nous, qui était toujours dit, ah, on sait nous avons un commissaire qui parle de bandit, nous avons un commissaire qui a attaqué gang, etc., qui démantelé plus que 13 réseaux de gang, etc. Mais c'est même nous-mêmes, le fait que le commissaire Richemont lui-même n'est pas d'accord collaborer avec ce fameux cartel qui a imposé des bagailles. Anormal l'autre bois, il est bon à abattre. Et c'est dans le dossier test à nous parler ça. Parce que comme on comprend Israël, Gilles Sedel va dire, dans tout côté, il va faire dans chaque cas, il faut qu'il révoque le commissaire Richemont, parce que le commissaire Richemont et lui constitue un obstacle à dossier. Il dit commissaire dans le dossier, il dit agent de sécurité commissaire dans le dossier. Et cependant, pour la vérité et pour l'histoire, permettez-nous de dire ça, nulle part dans le dossier, qui c'est rapport que juge de paix fait, qui c'est enquête SDPJ fait, pas aucune plainte qui déposée pour le commissaire du gouvernement, pas aucune dénonciation qui fait pour lui. Et maintenant, lui-même, qui ça lui fait pour le faire comme commissaire du gouvernement? Comme commissaire du gouvernement, on voit que lui, rien ne lui pas déformé le jouer au niveau du cabinet d'instruction, et bien c'est le juge d'instruction. Maintenant, dernière libération, si nous prenons libération et qui fait yo. Ok, libération qui fait, si on demande de main levée, qui fait demande de main levée, c'est le juge d'instruction lui-même qui rend l'ordonnance, et le commissaire du gouvernement lui rend seulement par une lettre de couverture, et bien voué dossier au niveau de la prison pour exécution. Pour exécution. Nous te dit ça, et nous te dit l'intervention. Suite à l'intervention que Guilherme Sidel va te faire, il n'est pas normal, ou qu'il n'y a toujours pas professionnel du droit, mais si on parle au nom d'une institution, que malheureusement jusqu'à maintenant personne n'a pas l'adresse, mais si on parle de tout compte, on va se parler de personnel journaliste, ou d'accord avec une personne morale. Donc en tant qu'une personne morale, il y a toujours des consultants en droit qui vous expliquent 1, 2, 3, 4. Mais lorsque c'est professionnel, ou pas capable de parler à une cause que vous ne maîtrisez même pas. Et lorsque vous le faites ainsi, c'est méchant. Parce que connaissant le commissaire Richemont, il s'est battu quand même pour une saine justice dans le Sud. Pas de courage pour nous dire ça. Connaissant le commissaire Richemont, il frappait même pas tant qu'il n'est pas frappé parce que lui-même, il va être en ligne. Actuellement, là, la CAIM, dans le pays, nous avons 4 Colombiens. 4 Colombiens qui sont en prison et nous connaissons comment ils sont en prison. C'est parce que le commissaire Richemont n'est pas d'accord dans la confiance de l'eau. Nous qui n'est pas au avec Pierre Avion, droit de l'autre bois, pour Michel Richemont, intercepté question jusqu'à maintenant Pierre Avion, l'autre bois, et monsieur la prison, nous allons pour définir au cas pour même bagaille. Donc, gagner, nous comprenons ce qu'on fait là. Nous ne pouvons pas régler les affaires de justice. Nous ne pas aller sur place publique, en plus, monde faire. Parce que les affaires de justice sont des bagailles sérieuses. Alors, nous allons finir, oui, mais qui ça, réaction là, sous déclaration Guy Delva, qui côté Guy Delva lui-même, lui péché, et qui. Et implication commissaire Richemont dans tout ça Guy Delva dit yo. Ok, très bien. Oui, question très précise. Guy Delva péché à plusieurs niveaux. Une bagaille Guy Delva dit que commissaire Richemont, d'accord, il dit commissaire Richemont, il dit impliqué dans l'assassinat. Il pose une bagaille. On va prendre même dans le communiste. Premièrement, parce que écoutez, ça, dans le cas ça, soit prendre sur le plan juridique ou qu'à parler de absence. Parce que pas oublier, Tess Gary jusqu'à maintenant, pas, comme si pas un flagrant délit qui vient faire quoi, ouais, comme si même qui a assassiné, il a assassiné. Quoi encore été du jour là, jusqu'à maintenant, dans le dossier, il n'y a aucun acte de décès. Et le corps sans vie qui a été retrouvé par
le juge de paix, et bien nous avons pris un combat. Ça veut dire qu'il y a une analyse qui fait sur lui pour venir dire que ce n'est pas final. Ça, c'est le premier bagage qu'il n'a pas maîtrisé. Deuxième bagage encore, il dit que Richemont, qui est des dossiers, n'a même pas avalé, rendre réciter la définition sur lui pour juge et structure qui a rendu ordonnance. Ça encore, c'est une erreur grave. Parce que sur ce même dossier, les policiers qui ont été maladroitement inculpés par le juge instructeur, eh bien, qui ça veut faire, ils ont produit une action en récusation du juge instructeur. Et qui ça la loi dit? La loi dit, tous les juges sont récusables. Et immédiatement, vous récusez où? Qui ça vous fait? Vous prenez une ordonnance où vous mettez dossier au doyen et que c'est le doyen lui-même qui a fait les suites. Donc, faut que c'est déjà pas fait bagaille de manière. Donc, vous voulez dire là, dossier. Alors, Abdi Denon là, SOS journaliste parlait de. Parce que dossier, pas même. Il parlait de Gary Tess, mais moi, je vous dis Tess Gary. N'a pas de même monde. Oui, même monde. Tout à fait. N'a pas de même monde. N'a pas de même monde. Tess Gary. Okay. Même monde. Donc, ça veut dire dossier, il n'a main doyen. Dossier, il n'a main doyen parce que. Est-ce que le juge l'a déporté le dossier? Et voilà, c'est la question. Juste là, les gens ont donné ce qu'ils ne peuvent pas déporter. Écoutez, c'est là où belles questions posées. Alors que même juste ça, tu as gagné un dossier côté une coopérative qui a un problème avec des particuliers au CAI, où tu as produit une demande de réfugiation devant même juge Jourdain, il a respecté la loi. Il t'a donné une ordonnance qui dit, vu que ils ont refusé le dossier, pour éviter toute suspicion sur ce soit, je me déporte. Il te fait ça. Mais tu connais notre dossier, ça. Et c'est là. Et c'est là pour nous comprendre. Gagner un petit groupe complotaire et qui pensait que le populisme Richemont est capable de se venir élu dans le sud, etc. Et puis qui attaque. Même, ça me pense que très honnêtement, il y a deux magistrats dans le pays, même si vous avez une erreur, et je l'avais dit à M. Guilherme Tedelva, qu'on instance pour faire le boulot. Ou avez joué comme ça dans chaque cas où à braviser la justice. C'est pas où est le commissaire du gouvernement, lui là, qu'elle a passé, il y a bon le commissaire, etc. Mais il faut qu'on forme, parce que c'est pas n'importe qui a parlé. C'est Guilherme Tedelva qui a parlé. Qu'on est en fini, Ernest Exilhomme, et dans qui niveau dossier Tess Gary ou bien Gary Tesla lui-même lié puisqu'on disait même non a parlé dans qui niveau lié est-ce que juge c'est juge Jourdain Robert Jourdain est-ce que il rend ordonnance li déjà est-ce que réquisitoire commissaire gouvernement a le joindre dans qui niveau dossier a lui-même lié très bien quelle question dans qui niveau dossier a juge là lui-même était recevoir acte en réquisition. Le juge a de réquisition. Lui-même, il s'est dit qu'il va déporter les aldétés. Il était dans l'ordonnance. Et le fait qu'il était dans l'ordonnance, il est avocat et eux-mêmes, ils ont écrit CSPJ, ils ont écrit la Cour de cassation pour faire comprendre que le dossier, ça, lui-même, ce juge a été récusé. Et puisque vous récusation en masse qui est pour le tribunal-là, on attend encore l'arrêt de la Cour de cassation qui, bien sûr, a désigné pour le tribunal, tout en des bagailles là en toute objectivité. Parce que c'est la question de l'utilisation. Comment comprendre Israël Valestin? Okay. On est à comprendre pour finir. Alors, c'est Ismaël Valestin. C'est Jean-Ismaël Valestin, magistrat Ernest Exilhomme. Moi qui t'ai dit la pile, même devrais me préparer, me faire une correction pour vous, moi, les gens Ismaël Valestin. Alors, qui ça m'a voulu demander? Où dit là, juge là lui-même, il était avocat Tess Gary. Demandé le pour désister des dossiers, il était requisé. Donc, il dit le pape désister, son pouvoir la loi Bali. Donc, avocat Gary Tessier même, il allait souvler en cassation avec Gila. Et pour plus précision, c'est avocat policier eux-mêmes qui fait demande de récusation. C'est au pose d'huile. C'est au fait action de récusation. Ok, il fait, il a récusé juge là. Juge là, lui-même, il dit le pape déporté là, continuer instruit. Maintenant, puisqu'il dit la continuer instruit, donc la loi n'a pas la possibilité de ça, parce que la loi dit depuis on récuse pour cause de suspicion légitime, ou pas gagner pour faire que récuse. Parce que qui ça justifie l'accusation? Alors, tu as posé une question à tout. Pour qui ça oblige à récuser le magistrat? Pour comprendre, le magistrat a récusé premièrement pas respecter la procédure, ou pas qu'à attendre au monde qui n'est pas visé par le réquisitoire du ministère public, ça veut dire que le commissaire gouvernement n'a pas de bon réquisitoire pour le viser le monde.
il n'est pas dénoncé. Il va porter plainte. Non, on dit souvent l'instruction est secrète, car il y a une dénonciation devant devant juge là. Ça veut dire s'arrêter à discrétion juge là. Si on monde dénonce les mettre exil homme, ça veut dire qu'il a toujours envie d'entendre et tel monde. Mais qu'on y a en été là plutôt dossier mis en appel. Est-ce que dossier en appel? Non, le dossier jusqu'à maintenant est toujours au niveau du tribunal de première instance en attente de l'arrêt de la Cour de cassation. C'est depuis gagner un juge qui récusait, c'est la Cour de cassation lui-même, c'est pas la, alors en cette matière, c'est le tribunal en masse qui a récusé, mm-hmm. Et maintenant là, la Cour de cassation va décider sur question. Mm-hmm. Va décider, donc ça veut dire là, devant qui tribunal y a brûlé. Mon juge l'a brûlé, comme il y aurait qui ce juge là, et dossier, alors il y aurait qui ce tout tribunal là, comme dossier en attente de décision cassation, yo même yo pas décidé à répondre à question juge là. C'est ça dossier. C'est ça lié parce que on voit que récusation en fait, mais la commission pas agi là dedans encore pour aller pour la Lorraine en réquisitoire. Et c'est ça Guinée ne va pas comprendre. Guinée ne va pas comprendre que commissaire lui même comme si avec gros point il fait obstacle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ou même là, au commissaire du gouvernement, ou non juridiction, mais que ça a chaque juridiction. Mais on sait le bagage, pour finir, mettre exil homme, on garde dans le Martine Moïse, avec, dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Mm-hmm. Martine Moïse était requisé avocat, ou bien partie civile, là, était requisé juge Voltaire. Mais nous connaissons le commissaire gouvernement Port-au-Prince, là, il rend requis droit définitif, là. Merci un peu, le magistrat, et mettre exil homme. C'est un plaisir de vous déballer. Et nous pouvons remercier, nous sommes toujours disponibles et disposés pour nous capables de faire lumière sur ce qui est ça. Merci en plus, Ismaël. C'est un plaisir pour nous déballer. Merci à tout le monde qui est avec nous, qui a suivi l'émission Boucanté la parole. Vraiment, nous exagérer. Et puis, nous avons excusé la programmation. Nous avons vraiment chargé à soi. Ça arrivait même pause. Deuxième pause, là, nous n'arrivons pas à arriver point, mais parce que Fritz est un bon technicien, un bon professionnel. Là, je vais jouer tout le bagaille.